L'État contre M. Massouzi, famille. Monsieur Massouzi, malgré la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre avocat se permet d'arriver en retard. Mais madame la juge, c'est un avocat commis d'office. Je l'ai jamais vu de ma vie, je le connais pas. C'est bon, celui-là. Ça va? Ta mère, ça va? Ton petit frère, toujours de vacances? Excusez-moi. Excusez-moi, madame la juge. Trottinette électrique, 3 barres, 1 barre, 2 barres, ça m'embrouille, je suis tombé en panne, j'ai calé. Je suis en retard, pardon. Vous êtes sûr que c'est votre avocat? Tu me connais très bien, Sylvie, arrête, on a fait l'école ensemble. Non, on ne se connaît pas, monsieur Dupont-Maserati, on ne se connaît pas. Ben, vous venez de dire mon nom. Bon, allez, je vais procéder à la lecture des faits qui vous sont reprochés. Donc, vous êtes poursuivi pour détention de stupéfiants. Stupéfiants? Mais je suis stupéfait! Je peux poursuivre? Donc, les forces de police ont procédé au contrôle de votre scooter de livreur de pizza et ont découvert une grande quantité de stupéfiants. Vous reconnaissez les faits? Déjà, je reconnais avoir un zip 50 cm3 qui monte à 75 km/h. Ça, c'est pas donné à tout le monde. Effectivement, j'étais en train de livrer 2 pizzas merguez. Et là, je redescends. Qu'est-ce que je vois, madame la juge? Mon coffre ouvert avec un grand sac Lidl. Et on me dit qu'il y avait de la drogue à l'intérieur. Qu'est-ce que c'est, ce vacarme? Comment saviez-vous qu'il s'agissait d'un sac Lidl? Ben, je ça vous le plus. Laissez-moi, si je puis me permettre. Selon l'article 27 du Code pénal, loi 17-18-19-26-84, celui qui n'a pas pu, s'il pouvait, en tant qu'il ne pouvait pas, ne pourra, s'il peut. Donc, il est innocent. Et c'était seulement, si je me trompe, 2 kilos. 2 kilos? Ah non, non, cher confrère. Il s'agissait de 7 kilos. Vous êtes sûr qu'il y avait 7 kilos? Oui. Tu m'as menti. Il fait 7 kilos, tu travailles à la BAC, toi, tu es avocat? Tu vas voir ce que je vais te faire. La sentence. Bon, eh bien, je laisse la parole à l'accusation, monsieur le procureur. Nous vous écoutons. Alors, mesdames et messieurs les jurés, madame la présidente, le code 248 de la loi de la République française demande la peine maximale de 12 mois ferme et 6 mois avec sursis. Car ce n'est pas un délit, c'est un crime criminel. Vous êtes un criminel, monsieur, criminel. Merci, monsieur le procureur. Criminal et criminal! Mais madame, on voit bien qu'on dirait un méchant de la série Mafiosa. Il peut pas donner des peines, celui-là. Madame l'arbitre, faites quelque chose. Comment vous m'avez appelé, là? Madame la juge, pardon, excusez-moi. Vous avez vu un stade de foot, là? Il a une tête de latéral droit, quand même, le collègue. Bon, ben, je crois que je vais suivre les réquisitions du procureur et vous condamner, effectivement, à 12 mois de prison ferme. 12 mois? Laisse-moi faire. Plus on l'énerve, plus elle met des petites peines. Je la connais, on était ensemble. Des petites peines. Je fais l'énerver. Madame la juge, sois un homme. Pardon? Madame la juge, prends ton marteau, fais comme toi. Vas-y, frappe. 16 mois. Madame la juge, madame la juive. Attention, là vous frisez l'autre âge, la xénophobie. 20 mois. Madame la juge, fais pas ta pute, madame la juge. 24 mois. 24 mois? On avait 12 au départ, madame. Pourquoi aller jusqu'à 24? On avait 12, c'était la moitié. On avait 12, madame. On criminale. Avait 12. Vous êtes un criminel, vous êtes. Vous n'avez rien demandé à vous.